C'est bon, je viens de placer le cube doré dans l'appareil. Donc c'est bon, je peux marquer oui. Oui. Mettez tous les deux la flèche du haut. Maintenez tous les deux la flèche du haut pendant 10 secondes. Ok, prêt? Réalisez Ready? l'action en même temps. 1, 2, non, non, la flèche du haut, à mon avis, tu dois cliquer sur une flèche du haut. Ok, vas-y. 1, 2, 3. Non, là tu fais un clic droit, chérie. Attends, on recommence, on recommence, on recommence. Prêt? 1, 2, 3. T'as vu, bon. Déterminer ce que ça fait là. Alors moi apparemment le cube est en train de se dématérialiser, il va arriver tout. Et le truc a explosé, génial. Ah, super. Le futur chapitre 2. Oh. Moi le passé chapitre 2. Waouh. Ouais. On a fait que y a premier chapitre. On a fait que... Il y a combien de chapitres, tu sais pas, parce je que... sais pas. Putain, tout à l'heure on va y passer toute la nuit. Ok. Donc les dévoyés, je futur is verse. Changing. The past was changed. Moi, j'ai changé le passé à déplacer la souris. Mais interagir avec l'endroit. Ah, on a changé. Je vais contrôler le cube à l'extérieur et tu es à l'intérieur de la salle. On va inverser les rôles. Super. Oh, ça va être terrible. Ça va être merveilleux. Super. Je suis dans la merde. Ah, super. Père, processus de réinsertion, connecte-moi du passé, c'est fait, lancez la première action, c'est fait, lancez la première action sur la cube, c'est fait, alimenter la cube de réinsertion, placer le sang et la chair et l'os dans la cave de résurrection, terminer le processus de réinsertion, communiquer le code suivant, ce code doit être utilisé pour l'appareil cubique dans le passé. Ok. Alors attends, je regarde... Rien compris. Attends, parce que je me familiarise du coup avec l'environnement. Oh non. Ah, t'as le cœur obtus de sol, je crois. Non, j'ai vu une image tout noire. J'ai un cube noir, je dois en faire quoi? Je dois en faire quoi, ces trucs de merde, là? Cliquer sur la flèche et utiliser la molette pour dézoomer. Quelle molette? De quoi tu me parles? Oh putain, ah ouais, oh putain. Oh non, mais là, déjà que je comprenais rien avec la machine, mais alors là, il y a des éléments avec le... Putain, laisse tomber. Putain. Non, mes frères... Changer de vue, ouais bah ça. Allez vas-y, rajoute plus d'éléments, comme ça moi je vais galérer, vas-y. Allez, vas-y. Chérie, respire, ça va bien se passer. Oh t'es. Oh la rageuse. Oh là 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 là. Mais je dois faire quoi, oh, bordel comme... Oh c'est comme sur World of Warcraft hier, hein, t'es. Elle est toxique. Oh j'ai une petite amie, elle est toxique, c'est ouf. Je comprends rien, au secours, on comprend pas. Alors ce que on va se calmer, est-ce que déjà. Alors. Est-ce que tu vois quelque part un code en XYZ, un autre? Putain, j'ai récupéré un verre. Mais je sais pas pourquoi. J'ai récupéré un verre, je doute. Attends, je peux pas mettre le verre avec le truc? Je peux pas foutre le feu à la baraque? À l'aise. Ah, attends. Ah, j'ai rempli un verre d'eau. Par contre, le robinet, ben... Et les gars, je peux plus fermer le robinet, donc il va y avoir une inondation dans le truc. Ah, alors... Moi je peux pas interagir avec la machine, hein. Donc je n'ai pas de code. Tu n'as pas de code. Alors décris-moi ce que tu as. Faut que tu me décrives ce que tu as. Alors moi je t'explique. Alors dans la première pièce, j'ai un tabouret avec une prise avec la machine sur la table, avec des instructions que j'ai lues tout à l'heure. Après j'ai un espèce de miroir avec un robinet juste en dessous. Dans la première salle. Ok. Et j'ai dans le ref... dans le re... Et j'ai mon reflet, je crois, dans le miroir. Ok. Et tu es qui? C'est une femme avec un chignon et des lunettes. Chignon et des lunettes. Ok. Bon, je connais pas ce personnage. Dame. Ouh, elle a parlé. J'ai vieilli. Ah, oh, Swordel, t'es rose. T'es la rose du futur. Bon, ok. Alors... En fait, j'ai voulu cliquer sur elle et elle a vraiment dit « J'ai vieilli ». Ok, oui, oui. Alors, moi, j'ai... tu te souviens du cadran qu'on avait? J'ai un truc à peu près équivalent, mais avec un truc rouge, noir et rouge. Un blanc, rouge et noir. Alors, dans la deuxième pièce, j'ai une armoire. Avec une radio. Avec un bureau. Où il y a des trucs chimiques dessus. Avec un espèce de... Je crois encore une fenêtre. Ouais, un espèce de fenêtre, je sais pas quoi, là. Dans cette salle-là. J'ai une troisième salle, où j'ai une espèce de machine chelou.
Mais je crois qu'il y a des trucs à régler dedans. Et j'ai encore une machine dans l'autre pièce, donc ça doit être là qu'il doit y avoir des codes, je pense. Ok. La radio, je peux régler une fréquence. La radio, tu peux régler une fréquence. Alors attends. Avec une moulette. Une fréquence. Alors, moi, parce que moi j'ai une molette. Est-ce que je peux. Ouais, je peux changer ça. De quoi? T'as un truc? Alors, j'ai réglé un... j'ai une putain de musique. J'ai réglé Ah, le truc sur la radio, j'ai une musique et j'ai des lettres qui apparaissent. des lettres. E, Ah! D, E. E, D, E. E, D, E, et C. EDEC. Sais pas si ça t'aide à quelque chose, mais. La musique, elle est d'enfer. EDEC. Est-ce que ça pourrait correspondre à ça? Non. T'as pas le droit de regarder mon écran. Ah non, c'est qu'est-ce que tu regardes? Regardez dehors, hein, j'ai vu un truc. EDEC. Dès que t'as trouvé que. Ah, alors moi j'ai un truc 002C. J'ai E, D, E, C, c'est tout ce que je te dis. Attends. Bienvenue sur l'appareil cubique 2022C. Processus de résurrection. Transférer l'os lâché à un dans l'appareil. Cet appareil contient la pièce où se trouve la personne du futur. Veuillez vérifier la connexion en entrant le code. T'as pas un code quelque part XYZ 1, 2, 3? Il faudrait pas que j'allume les allumettes. Oh! Attends, pardon, je suis en train de faire un truc chimique chelou là. Vas-y, parce que moi je suis coincé de mon côté, hein, du coup. Je dois faire quoi avec ça, les gars? Café manquant. Il me faut un café. D'accord. Café. Je peux faire ébouillonter des trucs. Ça m'avance à quoi de faire ça? Non, mais à mon avis, il y a un truc que j'ai raté, je crois. Je vais revenir là après parce que je crois qu'il y a un truc que j'ai pas en fait. Le café manquant, ça, il n'y a rien. Dans l'armoire, il y a quoi? Si je découvre un cadavre, je hurle. Je peux même pas l'ouvrir en fait. Je peux pas l'ouvrir. Bon, pour le moment, non. Moi, je te dis, moi ce que j'attends, moi, c'est un code en XYZ 1, 2, 3. Moi, c'est la chose qu'il me faut pour continuer à avancer. J'ai un truc à mettre avec des carrés. Là, j'ai un truc avec os, chair, sang, avec une horloge. Cette putain d'alarme qui me casse les couilles depuis tout à l'heure. J'ai envie de la buter. C'est une vape à mettre ici. What the fuck? C'est un truc avec... quoi? Hein? C'est un truc à aspirer, d'accord. Là, j'ai un truc avec des boutons. Ouvrir cette putain d'armoire là? Mal, c'est pas possible. J'ai pas de truc avec XY donc un peu me casser les steaks. Tout regarder, il y a aucun truc avec des lettres. Ah, attends. Ça sert à quoi de déplacer ça? Ah. Oh, ok. J'ai un couteau, super. Non, c'est un scalpel. J'ai peur. Un scalpel, je sais pas quoi ça sert. Ok. Mais j'ai pas de truc avec XY pour l'instant, donc je sais pas comment t'aider. Non, mais il faut que tu trouves parce que. Eh non, je suis con. Bah non. Bah, elle sert à quoi cette vitre?
Ah, le scalpel peut-être pour ouvrir le truc. Je vais péter un câble sur ce jeu là, je te jure. Ça me saoule, je sais pas quoi faire, je suis bloqué. Hein. Je suis bloqué aussi, donc voilà. J'ai un nouveau code. Ah, c'est quoi? CDEG. Ah, mais moi j'ai rien qui correspond à ça. Je peux rien saisir comme ça. J'ai plusieurs codes! Oh la vache. Ouais, mais moi, à part les 1, 2, 3, X, machin. Sinon, j'ai un truc avec un papillon là-dedans. Le. Mais ça, je peux pas tourner ça. Je peux pas le tourner. Parce que. G-A. Ça, je peux pas interagir. Ça, je peux rien faire. E-D-G-E-C, ça, je te l'ai dit. C-D-E-G. Un truc avec la radio, mais après je sais pas ce qu'il faut que je fasse en fait. J'arrive pas à ouvrir l'armoire, donc je sais pas si je vais ouvrir l'armoire. Alors moi pour ouvrir l'armoire, je devais trouver un truc, un... Attends. Hop. Je peux rien faire avec ça. Je peux rien faire avec ça. Ça là, je pouvais faire ça ou ça. Alors, il y a un truc que je peux interagir, j'ai une espèce de corde avec un rond, avec un anneau quoi, que je peux monter et descendre. Ça, c'est un truc que je peux faire. Moi, j'ai un aspirateur que je peux monter et descendre. Ah! Un aspirateur que tu peux monter et descendre. Ouais. Enfin, un aspirateur, c'est un truc qui aspire en tout cas. Ok, moi j'ai le truc tout en bas actuellement. J'ai un code. C'est quoi? J'ai un code avec un Z, c'est pas ce que tu cherchais? XYZ 1, 2, 3? Ouais. Ok, nickel, c'est bon, là. Okay. En fait, fallait juste que je regarde le papier. Bon. Je t'écoute pour le code. Alors, Z1. Z1. X. Oui, X. X. 2. 2. 3, Y. 3, Y. Ok, ça s'imprime. Ça fait quelque chose ou pas? Oui, ça s'imprime. Du coup, instruction. La personne dans le futur doit placer le cube noir en C9. Ah, c'est ça! Bah non, okay. C'est pas un cube que j'ai eu. Et j'ai un code à te communiquer. Attends. Cube noir, c'est ça? C'est ça. Oh la vache. Et après, c'est quoi que un code? Ok, j'ai un code. Alors, moi, avec c'est... des carrés? Ouais, c'est ça. Vas-y, dis-moi. Du coup, j'ai première colonne noir. La première colonne, les trois carrés sont noirs. Voilà. Enfin, ensuite, la deuxième colonne, tout est blanc. Et la dernière colonne, tout est noir. Ça aspire le cube. Oh, je vois des trucs de hôtel et tout. Oh non. Ah. On reprend des trucs de Rusty Lake Hotel. Ouais, il y a eu tous les Rusty Lake qui passaient là. Ok, donc c'est, tu vois quoi, les animaux, c'est ça le cerf, le... Oh. Je vois pire que ça. Quoi? Un truc noir avec des yeux blancs qui me casse les couilles de putain. Ah, le Corrupted Soul? C'est un truc qui me fait peur. En plus, là, j'ai un truc avec une heure à indiquer. Une heure à indiquer, alors ok. Ah non, attends, il y a une heure qui s'est indiquée plutôt. Ah. J'ai une heure qui s'est marquée. Alors, je sais pas laquelle est la grande et laquelle est la petite, hein. Mais j'ai 11h15. 11h15, alors attends. Ou sinon, c'est 3h. 3h55. Alors, parce que moi j'ai un truc avec. J'ai une molette avec 3 éléments. Moi j'ai une horloge avec 3 aiguilles. Écoute, attends, je te laisse faire le tour. Faut que je fasse un petit truc. Je te laisse faire le tour de ton environnement. Juste une seconde, je reviens. Je fais quoi en fait? Et lui se casse, il me laisse me démerder, j'adore. Super. Vous voulez que j'aille où avec lui, moi? Il me laisse me débrouiller tout seul, et vas-y, démerde-toi. Vous savez quoi, on va faire n'importe quoi, ça passera peut-être à un moment donné. Il est peut-être parti chier, hein.
Là, en fait, je peux rien faire d'autre de plus, en fait. Je crois. Mais il me parlait de café tout à l'heure. J'ai pas compris ça aussi. Ouais, je suis un peu. Mais en vrai, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse, donc. La cuve de résurrection, bah, je veux bien placer dans. D'accord. Ça m'arrange pas parce que je suis toujours bloqué en fait. Donc, il parlait d'un café manquant, mais je sais pas comment on a le putain de café. Un café manquant. Bon, parce alors. que, en fait, j'ai une expérience chimique à faire avec de l'eau et un espèce. En plus, elle est bouillante. Avec du feu, avec un verre d'eau et un truc chimique là. Et il me marque dans le. Parce que j'ai un cadran en haut qui me dit ce qu'il faut que je fasse. Et j'ai un troisième élément qui me manque et c'est marqué café manquant. Ok, donc Sauf que je ne sais pas où je trouve le café et j'ai beau regarder, je ne sais pas où il est. Bon, ok. Ça, tu vas peut-être le débloquer après, ça, chérie. Manque un café. Ok. Alors, moi, dans les éléments que je peux faire, j'ai une lentille avec entourée par trois curseurs, un blanc, un rouge, un noir. Ça, je Ah, l'ai. tu l'as? Ok. Mais ça fait en forme d'horloge, moi. Ok, mais donc tu as une horloge avec trois Trois curseurs? aiguilles. Trois aiguilles, la blanche, la noire et la rouge. Parfait, nickel. Alors, je t'écoute pour le code, du coup. La noire, elle est sur le 11. J'ai combien d'horloges, Ah, donc 11. d'accord, ok. Alors, attends, parce que je peux pas les. Pareil, hein, je peux pas les interchanger du coup. Noir sur 11, oui. La rouge sur le 1 Ok. et la blanche sur le 3. Ok, j'ai été propulsé dans la lentille. Ok, je te vois vieille et je vois le corrupted soul. Super! Tu vois quoi d'autre qui pourrait m'aider? Le Corrupted Soul a une position étrange. Il est Oui, comme ça, rétroplié oui. comme ça. Ok. Mais je peux pas cliquer sur lui en fait. Lui, pour l'instant, je peux rien faire avec sa gueule. Ok. Ah, si, attends, j'ai un truc qui a été débloqué. Ok. J'ai une clé de musicien. C'est pour moi. Je sais où la mettre. Je vais Ouais, faire parce ça. que je pense qu'il faut que tu. Je crois qu'il y a des codes qu'il faut que tu me donnes parce que j'ai des trucs à débloquer, mais j'ai pas le code en fait. Ah, alors t'avais un truc C, D, E, F, G, A, B. Avec cette lettre-là, tu me parlais d'un autre code. Ouais, mais non. Ça correspond à des lettres de musique. À des notes de musique. Ah, c'est peut-être la radio. Avec la radio, j'avais des lettres. Alors. C, D, E, G, j'ai avec la radio, là, par Ok. exemple. Et tu as une fréquence à mettre? Oui, j'ai des fréquences à mettre. 78,3. Moi j'ai un carré blanc avec marqué 78,3 dessus. Non, moi j'ai rien à 78,3. Et après j'ai des notes de musique, alors J'ai un certainement. truc à 70, mais pas 78. Bon. On va essayer les notes de musique du coup. Ah, toi, t'as C, D, E, F, G, A. Voilà. Il me faut l'ordre de ces lettres-là. J'ai plusieurs lettres, moi en fait. J'ai plusieurs codes. Donne-moi le premier code. Attends, faut que je le trouve. A, G, A, B. Alors, A, G, A, B. Ok. Ah putain, donc ok. Alors, je t'ai dit 78,3 parce que là, j'ai un nouveau truc. Enfin, le numéro a changé. Et j'ai 114,3 maintenant. E, C, D, E, G. E, Non, C, C, D, D, E, G. G. Ah, bah ça a marché. E, C, D, E, G. E, C, D, E, G. Oui, C, c'est D, bon. D, E. Et Ok. ensuite, dis-moi le truc. Alors, ensuite, j'ai 103,7. Ok, ça, je crois que je l'avais tout à l'heure. Ouais, E, D, E, C. E, D, E, C. Ensuite. 89,1. 89,1. 89? 89,1. Ah, B, A, G, A. B, A, G, A. Oui, et là je viens de débloquer une nouvelle clé. Une clé à dents.
Je vais voir où je peux la mettre. Et j'ai des bruits bizarres. Moi, j'ai un bruit de... Ah, elle est là. Ah bah la clé à dedans. À côté de la dent. Ah, bah ouais. Ah bah oui du con. Il dit que je suis toxique, mais lui aussi il est toxique en vrai. Hein. Ok. Je me dis qu'il est alors, toxique ce mec. j'ai une suite de code. Non mais une suite de code ça m'aide beaucoup. Oui, alors je t'explique. Donc pour chacune de ces lignes de code, j'ai trois cases. Pour le premier code, par exemple, j'ai deux cases blanches, une case noire. Super, ça m'aide pas du tout. Est-ce que ça t'aide à quelque chose? Est-ce que ça te parle? Pas du Un tout. Pas élément du avec tout. trois. Ok. Alors, ou alors, j'ai. Donc cet élément, en fait, j'ai six codes qui sont. J'ai un truc avec des boutons. Des boutons, ok. Avec trois trucs. Ok. Trois cases, il faut mettre les boutons sur les trois cases. Ok. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 boutons. 6 boutons? Bah. Ok, bah Un, ok, deux, donc faut trois, diviser par 12. quatre, cinq, six, ouais. Ok, du coup. J'ai pas de truc Et avec on est noir. d'accord, c'est 3 et 3. Non, c'est 6 comme ça. C'est 6 boutons alignés. Donc ça doit pas être ça. J'ai un code avec ça. Et apparemment, là, plus tard, j'aurai un espèce de valve à mettre, là. Et j'ai un aspirateur aussi. Et après, j'ai le truc de serre, os, machin. Sans la rentrée, j'ai un truc avec l'expérience chimique à faire. Il manque le café, le truc de la radio, c'est fait. Et je dois pouvoir ouvrir l'armoire à un moment donné parce que l'armoire, pour l'instant, je ne peux pas l'ouvrir. Les six boutons là, on va essayer un truc. Attends, faut que je retourne. Putain, mais je me trompe de clic. Six boutons. Oui, dis-moi. Donc toi, ils sont verticaux, hein, tu m'as dit. Oui. Ok, tu vas essayer blanc, noir, blanc, blanc, noir, blanc. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas faire blanc noir machin. Ah, tu peux pas les modifier? Je peux changer la position, mais je peux pas faire un noir blanc. Je vois pas quand tu me parles. Bah, c'est des boutons, donc activer ou désactiver. Non, c'est des boutons à déplacer. Ah, déplacer. À déplacer soit vers la droite, soit vers la gauche. Bah oui, bah c'est ça qu'il faut faire. Et j'ai 6 boutons où je dois déplacer à droite et vers la gauche et j'ai 3 carrés. Ok, bah c'est ça, d'accord, Mais ok. je peux pas modifier la Ok, couleur. du coup, ok, non, c'est parce qu'on se comprend pas. Du coup, le premier bouton, tu dois le mettre à droite. À droite. Tout à droite. T'es sûr? Oui. Ok, tout à droite. Le deuxième. J'ai Le deuxième, le deuxième. Le deuxième, tout à gauche. Il est tout à gauche. Ok. Le troisième et le quatrième sont au milieu. Le cinquième est tout à gauche et le dernier est tout à droite. Ouais, t'as récupéré la dent du coup. Non, je vais pas récupérer. Oui, mais la dent que j'ai de mon côté, en fait. J'ai récupéré une craie. Une craie. Ok. Et t'es avec là-dedans. J'ai un truc pour aspirer, mais je sais pas quoi ça sert. Ça me trouble, regarde. Le truc, c'est un aspirateur, il peut se déplacer. Ah, où il y a là-dedans, là, où t'as ouvert le truc. Et j'ai un aspirateur qui peut se déplacer dans toute la pièce. Enfin, dans toute la pièce, là où il y a là-dedans. Mais je peux rien aspirer avec. Ok, bon. Du coup, t'as une craie, à mon avis, tu as quelque chose à faire avec cette craie. Il y a une croix sur la dent. Craie à faire, mais qu'est-ce que j'ai à foutre de cette craie de merde? Il y a un tableau là. Ah. Yes! Ah, super. Dis-moi. J'ai un code. Ok. X3. Ah, ok. Alors attends, laisse-moi y aller. Et j'ai. Ah, puis aussi, je te décris. J'ai des symboles aussi avec. J'ai beaucoup de symboles. Ok. J'ai un truc avec des logences, avec un espèce de cercueil, un couteau, une clé, un soleil, un cube, une bougie. Ok. Ok, alors. Le sang, le truc de sol, peut-être des trucs de chrono et un marteau. Ok. Alors, on va commencer par taper le code en YZ 1, 2, 3. D'accord. Et ça va me donner la séquence que toi tu devras saisir après. C'est X. Oui, X. 3. Oui. Z. Oui. 1. Y2. Y2. Y2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. C'est un prix, mais je dois faire quoi là? Alors, j'ai une forme d'énigme. Donc, quand je m'allongerai dans mon cercueil, cercueil est souligné. Ah bah, oui, mais je peux pas cliquer en fait. Oui, non, je peux pas Tu cliquer. Peux les déplacer? Non. Je peux pas les déplacer, je peux pas cliquer dessus. Bon, ok. Alors, je te lis ma phrase. Je peux absolument rien faire avec ces trucs en fait, donc je sais pas quoi ça sert. Bon. Je te lis ma phrase. Peut-être que ça va t'aider.
Quand je m'allongerai dans mon cercueil et que mes yeux deviendront blancs, mon âme deviendra noire. Le cube te mènera vers le futur. Apporte-moi l'os, la chair et le sang. Sachant que sont soulignés, du coup, cercueil, yeux, âme, cube, futur, os, chair et sang. Ah, attends. Ok. Ça m'aide pas. Je peux pas ouvrir cette saloperie d'armoire, hein. Attends, attends, j'ai un truc. J'ai le papillon qui... Comment t'as fait pour ouvrir l'armoire, toi? Parce que là, je sens que... Quand j'ai ouvert le cercueil de... C'est pas de cercueil. Oui, mais moi, quand j'ai ouvert le cercueil d'Albert, la clé était dedans. Était dans le cercueil. Pourquoi ça se déplace? J'ai une cesse qui se déplace. Est-ce que t'as une grille? Quelque part. Ouais. Une grille avec trois traits? D'aération. Bah moi aussi et j'avais le... Mais j'ai pas de grille en fait, attends. Et j'ai les grilles de l'armoire là, mais je peux pas cliquer dessus. Mais sinon c'est tout. Attends, est-ce que l'horloge a changé d'heure? Non. Non. Et là ça me saoule par contre, vraiment. Là c'est en train de m'énerver par contre. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Je crois que tu vas te démerder avec ton Qu'est-ce jeu. Que... Qu'est-ce que tu as dans ton inventaire? Oh non, me lâche pas, chérie, s'il te plaît. J'ai jamais mettre de la craie et un putain de truc de merde de scapel à la con. Bon, écoutez, je pense qu'on va un petit peu déroger à la règle parce que Elodie... Non, laisse tomber. Donc, je crois que j'allais venir avec elle sur son PC et voir un petit peu ce qu'on peut faire pour débloquer. Je vais y arriver. Alors, j'ai la dent. Sinon on peut s'accorder un joker, hein. Mais attends, mais attends, t'as un cercueil. Comment ça un cercueil? Moi j'ai pas de cercueil ici. Mais parce que moi je suis dans le passé, je suis toujours dans le passé. Moi j'ai pas de cercueil ici. Donc le fait que ça soit souligné cercueil, c'est chelou. Et puis je peux pas rien faire avec le putain de symbole de mytho là. Bon allez stop, c'est bon. Et puis après t'as dit cercueil et quoi? Alors yeux je crois, non? Quand je m'allongerai dans mon cercueil et que mes yeux deviendront blancs, mon âme deviendra noire. Le cube te mènera vers donc le futur. Donc là c'est le truc, et là c'est le cube, il est là. Ouais, mais je sais pas. Rien faire avec ces trucs là en fait. Attends... Chérie, arrête de t'énerver, oui. Non, c'est juste moi qui est con en fait, c'est tout. Vous pouvez dire que je suis con dans les commentaires, pas de soucis. Si vous le faites, vous serez ban. Cercueil, âme noire et cube, c'est ça? Âme simplement, et oui, et cube, ouais. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, là? Cercueil, zéam, cube. Après, j'ai futur. Cercueil. Oui. Yeux. Oui. Ensuite, j'ai âme, cube, futur. D'accord que l'âme, c'est ça, non? L'âme, c'est le corrupted soul, souvent. Oui, bah c'est ça. Ouais, ok. Et le cube. Et le cube, ouais. Après, j'ai futur. Ça fait quelque chose ou pas? Attends, je vais faire le tour de... Non, ça a rien débloqué, j'ai l'impression. Pourtant, j'ai entouré ce qu'il fallait entourer. Il m'a dit, là, les yeux, les machins. J'ai pas compris. Ah, l'aspirateur. Attends une seconde. En fait, il fallait juste que j'entoure les symboles que tu me disais, là. Ah. Mais j'avais pas compris avec la craie. Ok. Que pour moi c'est pas instinctif d'utiliser la craie pour entourer des trucs. Du coup c'est bon, t'as entouré les éléments? J'ai entouré le cercueil. Le cercueil, les yeux. Les yeux. L'âme. L'âme. Le cube. Et le cube. Le futur. Ah bah voilà, le futur putain. Mais bon, le futur c'est quoi? C'est rebond dans tes copes par quoi? Alors, le cube te mènera vers le futur. Futur est souligné. Ok. Et ensuite j'ai apporte-moi l'os, chair et le sang. Et os, chair et sang sont... Voilà, tu pouvais pas me dire tout en même temps? Mais si, je t'ai dit tout en même temps. Je t'ai tout dit en même temps, t'as plus m'écouter. Os quoi après t'as dit? Os, chair, sang.
La cire, ça doit être la Il y a viande. juste le futur qui est un peu énigmatique. Comment tu représentes le futur? Enfin, je sais pas quoi. Quelle représentation tu... Ah, elle a quelque chose, elle a sursauté. Ouais, j'ai un marteau, je sais pas à quoi ça sert. Et j'ai toujours ce putain de café. Je peux pas le démolir, ce machin. Alors, le marteau, tu me dis que t'avais une croix sur la dent. Pas con. Je dis ça, c'est une idée, comme ça. Hein. C'est ça? C'était ça? Apparemment, c'était ça. Péter la dent. Okay. Oui, c'était sûr, c'était sûr. Ah, mais du coup, je peux aspirer le truc. Alors, à mon avis... Ah oui, j'aspire les bouts de dents. Ok. Je sais pas ce que ça fait, mais... J'ai aspiré les bouts de dents, voilà. Bon. C'est... Et le truc s'est refermé. Donc je me suis fait chier à déplacer une dent dans le futur pour qu'elle finisse dans l'aspirateur. C'est cool. Que ouais, j'ai arraché à mon daron, en plus. Ouais, mais je crois qu'elle doit... Ah, et il s'est encore passé quelque chose. Hey, tu sursautes à chaque fois que tu redécouvres quelque chose, c'est ouf. Parce que je suis un peu surprise là. Alors attends, mais ça servait à quoi de faire ça en fait? Ah! Ah, d'accord, donc j'ai le os qui est. C'est Glock? Ah, c'est Glock? Ok. Le lame de sol là s'est transformé en squelette. Ah, super! Avec la dent que j'ai pété, ça a fait le squelette. Ok. Et j'ai un truc avec l'horloge qui a bougé apparemment. Alors, okay. L'horloge a bougé. On va y aller. Hop. Je t'écoute. Alors, la blanche est sur le 1. Blanche est sur le 1. Alors, attends. Hop, du coup, je vais tout décaler. Blanche sur le 1. Blanche sur le 1. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. On t'a écouté. Du coup. Après, la rouge sur le 6. Rouge sur le 6. Et dis-moi que le... Par contre, le noir est entre... Ah bah, c'est bon, je l'ai. Et le noir est en 4. Ouais, bah je l'ai mis au pif. Mais ok. Et ça t'a fait quoi chez toi? Du coup, là j'ai de nouveau. Ah mais... Bah oui, justement, je vois le Corrupted Soul en train de devenir un squelette. Ok. La souris m'a donné une clé. Ok. Et moi maintenant j'ai un tournevis à. Ah, c'est peut-être la clé pour l'armoire. J'ai un tournevis à couille. Alors. Ah, douille, ah, douille, je déconne. Mais je. C'était très drôle de dire. Ah, voilà. Non, c'était nul à chier. Bon, ok, d'accord. Alors, c'est pas possible. J'ai vraiment cru que c'était un tournevis avec des couilles. Mais non, ça tournevis, ça douille. Mais j'aime bien. J'aime bien la blague de dire. Yes, j'ai pu ouvrir l'armoire, enfin. Ah bah, le café, il est là. Ah, faut... Non, me dis pas qu'il faut faire du café. Oh non. Oh, j'ai des instructions là. Appareil cubique de 1926. Avec un espèce de truc de café, la chair. Compartiment secret avec les écrous. Je ne sais pas quoi ça. Alors justement, je suis en train de le faire. En fait, si tu veux, tu sais, je t'ai... Appuyez sur le bouton quand la personne du passé aura trouvé les trois engrenages dans le compartiment secret. Ok, alors justement, oui, j'ai trois engrenages, mais... Alors... Enfin, j'ai un système d'engrenage. En fait, j'ai enlevé une grille avec le tournevis à douille, du coup. Et du coup, là, j'ai un système d'engrenage mais... et j'ai trois emplacements de libre. Mais je n'ai pas les engrenages susnommés. Qu'est-ce qu'il faut que je les déplace? Ça m'énerve, je comprends pas. Si vous avez compris, laissez-moi un commentaire. J'ai compris que le truc il saute, mais je peux pas le récupérer, ton truc de merde, là. Connard. En plus, je peux pas récupérer le verre. C'est en train de me casser les couilles. Eh oh. Rassure chérie. Tout n'est pas monétisé. Oh la garce. C'est vraiment une pourriture. Oh la violence. La violence de côté. Quelqu'un sait comment ça marche une machine à café? Moi oui. Parce que moi je sais pas comment ça fonctionne. Ah, c'est ça le problème en fait, c'est que tu sais pas faire du café. Kaneki sait faire un bon café. Mais qu'est-ce qui m'a pris moi de choisir une femme qui... Mais attends, mais attends, mais... J'appuie sur un bouton, t'as le filtre à café qui saute. Donc j'ai compris qu'il fallait que je récupère un truc à café, mais j'arrive pas à le récupérer.
foutre le feu. T'inquiète, ça passe toujours. Est-ce que tu as des engrenages, toi, de ton côté? Moi, j'essaye de prendre un truc de café, là, tu vois. Et j'arrive pas à le prendre. J'arrive pas à le prendre. Bah, abandonne, alors, passe à autre chose. Quand... Mais j'ai besoin pour l'expérience chimique de merde, là. Oh là là. Oui, bah, c'est le truc avec des engrenages. Est-ce que tu as des engrenages, toi? Pas d'engrenage. Ok. Ah, attends, la machine. Ah, t'as une machine. Ah, j'ai un bouton. Et c'est passé quelque chose, visiblement. Pardon, j'ai pété la machine. Et t'as récupéré des engrenages, du coup. J'ai détruit la machine. Ouais. Ça a fait descendre. Ah. J'ai récupéré de la poudre noire. Ah. Au revoir, la machine. Ça a pas servi à grand chose. Si je fous la poudre noire dans de l'eau, ça fait quoi? Je suis pas du tout musicien. Je... Parce que j'étais en train de jouer avec les notes de piano. La meuf, elle me regarde, plus j'ai envie de la baffer. Sauf que c'est toi dans le reflet, c'est ça, hein, il me semble. Mais elle sert à quoi cette putain de poudre? Non, faut pas que je mette de la poudre noire dans... Comment dire? C'est pas... Alors... On fait pas du café avec les cendres d'une machine. Hein. Ah oui, si. Je crois que dans Rustilek, ils nous ont fait le tour aussi de faire des. Un café. Fait du café avec des cendres de la machine du futur. Yes. Super. Yes. Mais et c'est comme ça. Mais c'est comme ça qu'on fait, chérie. On t'a jamais appris. Chair manquante. Donc pour faire expérience, il me manque la chair maintenant. Ok. De toute façon, il reste la chair et le sang, oui. Mais... Par contre, il me faut une deuxième clé pour pouvoir ouvrir le truc et la souris m'a donné une clé. Alors oui, cherchez pas la logique, il y a une souris qui est sortie de... d'une... Elle est encore là en plus, cette conne. Il faut que je la suive apparemment. Je vais suivre la souris. Qu'est-ce que tu fais, connasse ? Je sais pas ce qu'elle fait là. Tu sers à rien, allez dégage. Oh c'est cher, ça non. Ça n'a pas changé, ça non plus. J'ai plan avec les trucs de l'appareil de 1926. Mais c'est tout. Après, j'ai un ordinateur, mais il faut que tu trouves. Mais pour l'ordinateur, il faut que tu appuies sur le bouton quand la personne aura du passé aura trouvé les trois engrenages dans le compartiment secret. Bah j'ai bien trois engrenages, mais il s'est manquant en fait. Du coup, il me manque les engrenages. Du coup, apparemment, c'est moi qui bloque le truc en fait. Le compartiment secret. J'ai un plomb avec compartiment secret, moi. Ah, il est où? J'ai un face A. C'est un espèce de cube avec un... Avec un coffre. Et un espèce de cube avec quatre trucs dedans. Et le premier cube... Le premier petit cube a une espèce de bouteille dedans. Le 2, on dirait un coffre secret. Le 3, c'est une grand cube avec un truc de chair, on dirait. Et dans la face B, on dirait que c'est un truc avec un livre. Et dans la face B, il y a des engrenages. Dans le troisième carré en bas. Ok, oui. Alors, dans la face B, du coup, oui, en effet, j'ai engrenage, j'ai un bloc, et j'ai deux blocs au-dessus. J'ai un bloc avec une étiquette vide. Ouais, ça doit être ça, ouais, c'est ça. Voilà. Et dans la face A, normalement, t'es censé avoir un truc avec le chair. T'es censé voilà. Avoir un j'ai coffre fort. J'ai la chair, le sang et la dent du coup que je t'ai envoyé. Mais moi j'ai en fait j'ai le coffre où t'as l'air d'avoir la chair, un truc avec une bouteille. Oui, donc c'est le sang. Et bah dans le troisième par contre je vois pas ce que c'est. Bah c'était la dent. Voilà et super, ça nous avance okay. À quoi ça? Ok, la... Ah premier engrenage, deuxième, troisième. Premier engrenage, deuxième, troisième. Premier, il se met dans la partie droite de la partie gauche de du grand cube. Partie gauche du grand cube.
Le deuxième engrenage dans le au-dessus et le troisième derrière. À gauche. Je crois qu'on se comprend pas. Bah moi j'ai que ça, alors après tu te démerdes sinon tu... Bah oui mais c'est... en fait c'est pas clair chérie, je comprends pas en fait ce que tu m'expliques. Mais tu peux prendre tes putains d'engrenages de merde. Bah alors, j'ai le bloc avec l'engrenage mais je peux pas bouger les engrenages. Tu peux pas les prendre. Je peux pas les prendre. Je peux pas les bouger. Eh bah j'en sais rien. Voilà, hop, c'est bon, on est coincé. Allez, hop. C'est bon, on cherche plus à comprendre. Ah. On est bloqué, c'est bon. Mais non, on n'est pas bloqué. Si, ça, on est bloqué. Oh putain, j'ai horreur quand t'as fait ça, j'ai horreur de ça. On est bloqué, alors. C'est pas grave, on va aller regarder la solution sur internet. Mais non, c'est pas le but. Je l'ai. Tu peux récupérer un grand engrenage. J'ai un engrenage, je sais où ils sont. J'ai trouvé. Et je vais le buter ce mec. Ah oui mais c'était pas clair ton truc hein. Il faut que tu mettes le premier, faut que tu le mettes dans la partie attends, de la face A à gauche. Alors attends, déjà j'ai récupéré le deuxième engrenage, je vais récupérer le troisième. Récupère tes putains de trois engrenages et après tu me... On dit, en plus il ose me dire non je peux pas récupérer les engrenages et au final j'ai pu récupérer les... Je vais le buter. Ils étaient cachés ailleurs. Mais j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Tu pouvais les récupérer, bordel. Oh. En fait, le truc, vous savez que normalement, dans à peu près 1h20, il est censé les faire bouffer. On n'aura jamais fini. Jamais. C'est bon, j'ai mis les engrenages en fonctionnement et j'ai un espèce de truc qui est des... T'as pas un truc qui est des flèches, parce que moi, je dois rentrer un truc sur des flèches avec un ordinateur. Des flèches avec un ordinateur. Alors. En fait, là, en dessous, j'ai un truc qu'on t'aurait trouvé compartiment secret. J'ai un 3, un 0 et un espèce de truc avec des graduations. Avec des carrés sur des graduations et j'ai des flèches à mettre. Ah, alors attends. J'ai le truc avec des graduations qui clignotent d'ailleurs. Et j'ai un code à 6 trucs à mettre avec des flèches. 6 trucs à mettre avec des flèches. Alors, attends. Ouais, alors je sais. Alors le jeu il est vraiment bien. Achetez-le, hein, 6 balles. Je l'ai. Attends. Achetez-le, il coûte 6 balles. En plus, c'est même pas moi qui l'a payé, c'est lui qui a payé. Non, je l'ai parqué. Non, il a voulu le faire avec moi et écoutez, c'est pas ta... Du coup, il a payé 6 euros le jeu et je démerde. Hein. C'est son argent, c'est pas bien. Je t'envoie l'oreille. Quoi, tu m'envoies l'oreille? Mais le truc avec les flèches, putain! Ça sera pour après? Parce que là, ce que j'ai. Bah, tu m'as envoyé où l'oreille? Alors, attends, il y a une énigme à résoudre avant. Oh non. J'ai... Je déteste les animes. J'ai trois leviers. Tu me fais chier tes leviers. Écoute-moi, j'ai trois leviers. Oui, mais moi j'ai pas de levier. Chaque levier a une graduation de 1 à 5. Est-ce que tu as... Moi, c'est à moi de mettre les leviers dans le bon ordre. Toi, tu dois avoir une combinaison qui correspond à ça quelque part. Tu dois avoir une combinaison de trois chiffres entre 1 et 5. Ça peut être imagé, ça peut ressembler à beaucoup de choses. Pourquoi le tabouret il fait ça, wesh? Bah, les cubes. Hein? Appuie sur les cubes là, du début. Les cubes du début, ok, ça te donne un code ou pas? Des numéros ou une forme de numéro. Moi j'ai juste trois leviers avec cinq positions différentes pour chaque j'ai levier. Pas, et puis là j'ai les aiguilles, je peux pas les modifier, je peux rien faire donc non. J'ai pas de truc avec le code. Donc tu te démerdes, j'ai pas de truc avec 5 codes. J'ai pas du tout ça. Hein. Donc voilà, on est dans la merde. Attends, j'ai essayé de voir s'il y a pas quelque chose ailleurs. Moi je vous le dis, au bout d'un moment on va aller regarder sur internet. Mais elle est fatigante. Parce que là je crois que dans 1h20 on n'aura jamais fini. Non, parce qu'il va falloir resynchroniser nos enregistrements et c'est chiant. Bah parce que si on va regarder la solution, on va mettre nos enregistrements en pause. Bah non. Non mais elle. Bah non, de toute façon le truc enregistre juste le jeu, il enregistre pas l'écran. Oui, mais on va pas rester un quart d'heure à regarder une solution avec le son en plus qui déroule. Ah bah si! Toi tu meubles et puis moi je. Non! Voilà.
Écoute, hey, on fait comme si on est dans un concert. Attends, on meuble, hein. Si il se passe quoi que ce soit, attends, on a un problème. Attends, j'ai une dinguerie. Oh, mais ta gueule avec ton dinguerie. Alors, est-ce que tu as un papillon qui est apparu dans ton côté? Un papy pute. Oh putain, mais elle est aidée. Oh là 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 là. Papillon. J'ai pas de papillon. Oh là là. Oh, il va y avoir des motifs de rupture là, je vous le dis moi. Je t'emmerde. Un papillon. Parce que juste, j'ai le papillon qui s'est mis dans un des trucs que j'ai ouvert et j'ai de le renfermer dedans. Et ça va débloquer un système Steam. Alors après, c'était juste du troll. Hein. Hey, c'était juste du troll. C'est un putain de troll parce que j'ai absolument pas de papillon de okay. Taras. C'est apparu dans ta pièce donc. Bon. Non, j'ai pas de papy pute là. Non, mais arrête de dire ça. Et que toi, toujours faire ces trucs de merde de civique là. Putain. Putain. Elles sont pas la rose elles. Hein. Je sais pas quoi faire, je sais pas ce qu'il faut qu'on fasse. Et là je commence à perdre patience, donc je crois que le truc, je vais rage quitte. Ça a bougé de position ça. Putain, elle a bougé de position. Non, j'ai retouché mes engrenages et ils ont bougé de position. Est-ce que ça a changé quelque chose chez toi? Putain, mais ça a strictement rien changé. Ça change mais rien. T'as même pas fait le tour de ta... Mais je viens de faire 50 fois. Mais non, mais je viens de modifier à l'instant. Revérifie tes pièces. Oh, elle est terrible, hein. Allez, on va vérifier, allez. On va vérifier, vous n'inquiétez pas, on va vérifier. Allez, on vérifie. On va revérifier pour la 30e fois, on vérifie. Vous voyez, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Bon, je sens que... je vais regarder son écran. Hein. Je vais regarder son écran. Là, non, ça n'a pas changé. Attends. Non, c'est toujours les mêmes plans. Ça n'a pas changé. J'ai toujours ce putain d'ordinateur avec les flèches. J'aimerais bien avoir le code. Bah oui, mais j'ai pas de flèche, moi. Le truc avec le café. Super, ça n'a servi à rien. Le truc du tableau, il a pas changé. Le truc, je peux pas le faire parce qu'il manque la chair. Et ça n'a absolument rien changé. Donc non, il n'y a rien qu'à changer chez moi. Voilà, hop, tu vois, regarde, il n'y a rien qu'à changer. Hop, il n'y a absolument rien. Il y a ta mère qui a changé en string de guerre, mais rien. Y'a rien qu'à changer, en mode tu te démerdes. Le string de guerre. Oh putain, mais j'aurais jamais dû le faire reconnaître les plus sourds. Y'a deux épisodes sur YouTube si vous allez voir. Y'a un truc avec une putain de sous. À part qu'a fait. Dans mes oreilles là. Et c'est juste un succès, mais... Allez vous faire enculer... Et je brûle force... Mathieu, je ne sais pas... Et je brûle force... Mais... Allô. Non mais, et le PC, t'as rien fait par contre, hein... Allô, ici la Terre, là... Là, je suis morte. À mon enterrement, je veux qu'on joue à Rustilek. À ce putain de jeu. On organise une LAN sur Rustilek. Pour son enterrement. Putain, c'est vrai, il a pas refixé ça, lui. Ah oui, il faut que je remette les vis à ton PC, c'est vrai. J'ai oublié de remettre les vis. Merde, maintenant, je suis un peu emmerdé, là. Bon, enlève-le, le... Juste fais attention, le disque dur, il tient à rien, là. Ah oui, bah aide-moi, en fait. Ah, mais c'est pas possible. Hop, allez. Lève ton PC. Vas-y, rebaisse-le. Voilà, et tu touches plus. C'est quoi ce truc en fait? Bah, c'est le cache plastique. Mais putain, mais visse-le, merde! Mais ah, je vais pas aller chercher le tournevis à l'étage! Ah. Non, pas là, mais revisse-le! En plus, les vis, j'suis... Non, parce que lui il répare un PC, mais elle a oublié de fixer le truc. Non, mais... Ça va, j'ai oublié de mettre de vis. Et après, ça devient informaticien. N'hésitez pas à l'appeler, il répare des PC. Voilà. Et je suis développeur aussi. Ouais, développeur, si vous voulez développer un truc.
pomme. Je te jure que si je vais sur ton PC. Mais y'a rien qui a changé code, que je trouve le code en 2 minutes. Bah alors vas-y. Bah vas-y. Attends, je termine mon bruit de force, hein, parce que quitte à. Non mais vas-y, va voir si tu trouves et que moi j'ai pas trouvé, je te jure je te bute. Y'a rien qui a changé, c'est allez, moi. On prend le Joker de. J'allais voir sur l'écran de Elodie du coup. Mais moi y'a rien qui n'a changé. Allez, décale-toi un petit peu. T'as beau modifier des trucs dans le passé, ça ne modifie rien, moi. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on a? Mais ça ne... Ah, mais je connais cette salle, en plus. Elle est dans Rusty Lake Collection. Oui, y'a rien qui a changé. Non, fais pas ça. Ne parle pas dans les deux micros en même temps, ça va être un temps. Non, elle va pourrir le son du micro. Bon, elle va pourrir le son, je vous annonce. Mais je vois rien du tout, ok c'est... J'ai mis ma main devant mon micro. Oui, mais ça changera pas grand-chose. Ta mère, tu vois. Mais y'a rien qui a changé, ça sert à rien de regarder. Là, tu vas la voir vieille, cette conne. Mais j'ai essayé avec la craie. J'ai même voulu lui foutre le feu, mais ça n'a rien... J'ai voulu mettre le scalpé sur sa gueule. Non mais la prise, je sais pas... De mettre un scalpel dans la prise, peut-être qu'elle serait électrocutée puis qu'elle arrêterait de nous péter les couilles. Non mais ça c'est avec le café, il me dit serre manquante pour faire le truc. Ça c'est les plantes de tout à l'heure. Ça je peux pas l'ouvrir. Tu peux essayer mais... Mais j'ai essayé, hein, Mathieu. Hein. Ça, c'est le truc de tout à l'heure. Oui, la musique, elle a l'ambiance. Non, mais là, j'ai regardé dans les 3 tiroirs, j'ai juste eu le scalpel. C'est tout ce qu'il y avait dedans. Cette souris, arrête de cliquer dessus. Je te jure, je l'entends couiner là depuis tout à l'heure. Le seul truc que je... Non mais lui je peux rien faire avec sa gueule. Le seul truc sur... Non mais ça c'est quand j'aurai la chair et tout que je dois activer. Ouais, mais là je... Là je peux rien faire. Je peux rien faire là. On en est sûr des positions là? On va vérifier les positions des aiguilles là. D'ailleurs, c'est lui qui a fait une connerie. Et après, il dit que c'est moi. Ah non, la connerie, c'est que tu m'as pas dit que si ça avait changé. J'ai dit que ça avait changé. Je t'ai dit, l'horloge avec les aiguilles ont changé. Avec les 3 aiguilles, la blanche, la rouge et tout. Je t'ai dit la blanche sur le truc, la noire sur le truc, le rouge sur le truc. Non, bah ça correspond. Donc c'est pas ça. Donc voilà, donc maintenant tu fermes ta tronche. Donc c'est pas ça. Mais moi, le seul truc que je peux modifier, c'est le code, tu sais, du début, ça là. Avec les carrés. Ça là, je peux cliquer dessus mais c'est tout. Ouais, mais il y a non, que ça. Ça j'en ai pas besoin. Bah oui, bah moi il y a que ça que je peux modifier. Okay. Tu peux le récupérer ça ? Non. Non. Donc voilà, tu peux regarder mais il y a rien d'autre. Ah, ça je l'ai pas vu. Attends. Code de tout à l'heure. C'est le code de tout à l'heure, ça avait débloqué un truc ou pas ? Oui, ça avait débloqué la dent que j'ai pété que j'ai ramassé les trucs. Non, parce qu'en fait, il n'y a rien qui a été modifié, t'as bien vu. J'ai coupé mon micro. Non, mais j'ai rempli le truc avec. L'eau avec. T'as assis sur mon téléphone. Prends mon téléphone tout de suite. Il a acheté un casque chinois. Oh, tu me fatigues, chérie, mais tu fatigues. Mais parce que je trouve pas la solution, ça me saoule un peu. Je peux comprendre, merde. Voilà, même il dit que c'est chiant, mais qu'est-ce que tu fous? Non, mais ça sert juste à entourer les trucs. Ça, c'est plan. Mmh. Donc là, t'as tout bien vu, voilà. Pour les trucs que je peux interagir, tu viens de les voir. Et ça, il me faut le code avec les flèches. Tu te fous de ma gueule.
tu te fous de ma gueule. Quoi? Mais complètement. Parce que c'est ça que je te demandais. Quoi ça? Ça, là, ça, hein. Trois leviers avec des avec cinq graduations. Mais pour moi, ça, c'est pas des... Mais pour moi, ça, c'est pas des leviers, hein. Ça, c'est pas des leviers. Allez. C'est pas des leviers. C'est bon. Alors, maintenant, je vais te donner les... Moi, c'est des leviers, et ça, c'est l'illustration des leviers, nom de Dieu. Paye ton illustration. Paye ton illustration. Paye ton illustration. Et ça clignote en plus. Le truc il clignote. C'est pas possible. Mais je sais que le truc il clignote. Je te l'ai dit qu'il y avait un truc qui clignotait. Bon allez, donne-moi ce putain de code de merde. Allez, alors les flèches, c'est droite. Droite. Gauche, gauche. Gauche, gauche. Ah merde, attends. Oh, nique ta mère. Gauche, gauche. Non. C'est droite, gauche, gauche. Haut. Haut, ouais. Droite. Ouais. Bah. J'ai un nouveau code. Ok. Avec X, ah. Y, 3, tout ça là. Super. Alors attends, je vais y aller. Oh. Mesdames et messieurs, nous sommes trop cons. Ah. Alors, je t'écoute pour le code du coup X, Y, Z. Alors, Y, 3, X. C'est bon, t'as suivi là? Oui. Voilà. Z2. On avance, on avance, on avance. Yes! J'ai un labyrinthe! Ça va être merveilleux! Yes! J'ai ce truc là, moi. T'as un labyrinthe aussi? J'ai un espèce de truc avec des cases. Ok. Avec un crochet. Avec un crochet? Oui, que je dois déplacer avec les flèches. Ok. Alors. On est d'accord que t'as des cases, donc tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est 7 cases sur... 1, 2, 3, 4... 7 cases sur 7 cases, ok? Attends, je compte. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, moi, est-ce que tu as des chiffres 1, 2, 3? Ok. Qu'est-ce que tu peux faire pour interagir, toi? Est-ce que tu peux cliquer sur des cases? Avancer le crochet qui est indiqué sur le truc. Ok. Alors, moi, actuellement, j'ai un 1 qui se trouve donc sur la première colonne, quatrième case. Ouais. Et tu veux que ça m'avance à quoi, là? À mon avis, il va falloir aller dans l'ordre. Est-ce que tu es à cette position-là, du coup? Je sais pas si ça n'a pas modifié autre chose. Non mais parce que si tu veux, moi j'ai un numéro 1, 2, 3 et à mon avis il va falloir faire le chemin.